Ce projet est parti d'un retour d'expérience, le nôtre, celui de la construction du siège social du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, dans lequel nous sommes rentrés en 2009. Au fil du temps, on se rend compte que certains équipements, on ne les remettrait pas, par exemple. On a un pont thermique dans notre salle de formation. La question de la surchauffe estivale n'a pas été appréhendée sur le bâtiment qui est nord-sud. Voilà, on a des petites choses comme ça qui se sont dévoilées au fil du temps. Comment améliorer les pratiques et les résultats du bâtiment transalpin performant? C'est l'objet du projet européen A2E mené par le CAUE de Haute-Savoie avec 8 partenaires français et italiens. On s'aperçoit que le bâtiment durable, c'est un bâtiment qui est d'une complexité croissante. École, mairie ou logement privé. Au total, une cinquantaine d'éco-constructions en Savoie et Haute-Savoie ont été l'objet d'une enquête. Et autant côté italien, dans les provinces de Turin et Cueno. On mène un certain nombre d'entretiens avec les différents acteurs du bâtiment, de l'opération. Donc ça passe souvent par l'architecte, les bureaux d'études, les entreprises, mais aussi les usagers lorsqu'ils sont déjà dans le bâtiment. Résultat, les performances planifiées en termes d'efficacité énergétique ne sont pas toujours atteintes. Des désordres ont pu être observés. Dans un bâtiment d'exploitation, un désordre, ça peut être quelque chose qui est visuellement détectable, ça peut être de la moisissure, ça peut être de la condensation avec des traces d'humidité, ça peut être de l'inconfort chez des occupants, et ça peut être également quelque chose qu'on va devoir mesurer avec des capteurs, comme un taux de gaz carbonique qui va induire de l'inconfort, ou alors une surconsommation énergétique. Sur les pathologies, les désordres qui ont été identifiés, nous avons procédé à des analyses. Au-delà du constat, le programme A2E vise aussi à identifier les origines de ces désordres. Très souvent, quand les gens font des évaluations et constatent une non-conformité par rapport aux attentes, on va accuser l'usager d'être coupable. Et c'est le coupable idéal, puisqu'en fait, c'est le dernier qui reste dans le bâtiment et c'est le plus facile. Malheureusement, les gens, quand ils font de la conception, utilisent justement ces calculs conventionnels avec des hypothèses complètement normées qui ne représentent pas la spécificité de chaque usager. Et c'est ça notre problème, en fait. C'est qu'on a des modèles d'usagers qui ne correspondent pas à ceux qui vont être concrètement dans le bâtiment. Les désordres ne relèvent donc pas que de problèmes techniques liés à l'exploitation d'un bâtiment. Il faut se pencher aussi sur sa conception et sa réalisation. Il n'y a pas un seul coupable, c'est le fait d'un travail collectif. La problématique de la non-performance et des pathologies est fondamentalement systémique. Donc tous les acteurs doivent progresser ensemble pour avoir une meilleure organisation du projet. Les professionnels ne sont pas habitués à travailler ensemble. On ne leur a pas forcément appris à s'écouter, à se parler et à résoudre aussi leurs problèmes. Le programme A2E répond aussi à cet enjeu en organisant des rencontres entre professionnels. L'intérêt aussi de ce colloque, c'est de pouvoir réfléchir. Une première table ronde a réuni à Annecy en décembre 2018 tous les acteurs concernés. L'architecte, il est bien sûr toujours favorable et porté vers les questions de progrès. Le maître d'ouvrage doit être formé sur ces sujets, aussi le maître d'œuvre. Les entreprises, par contre, elles n'ont pas assez évolué pour assurer l'accompagnement de tous ces processus. Un voyage d'études en Lorraine et au Luxembourg en septembre 2018 a permis aussi de découvrir des réalisations de bâtiments innovants et de mieux comprendre le rôle de chacun des acteurs. Ce qui est très important, c'est qu'on respecte l'autre dans les projets et que justement, on ne condamne pas X ou Y comme étant le responsable de l'échec d'un projet. Donc tout ça, ça nous oriente vers un changement de pratique. Avec un appel à changer finalement de système. Ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir un gardien du temple qui se souvienne et qui ait les preuves de ce qui a été spécifié au début et qui puisse vérifier en aval ce qui a été livré. Donc ce gardien du temple, ça peut être un agent transversal de suivi qualité, un gardien contrôleur qualité, comme ça se fait dans l'industrie automobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que même dans l'industrie en général, les services qualité ont plus de pouvoir que n'importe quelle autre direction pour imposer le respect des processus, le respect des consignes, pour avoir un niveau de qualité conforme à les livraisons. Pour cela, le projet A2E a aussi pour ambition d'organiser des modules de formation. Je me dis, enfin, il va se passer peut-être quelque chose dans
dans le processus de qualité dans le bâtiment. Côté français et italien, l'ambition est de mettre en œuvre de nouvelles pratiques. C'est un problème qui est fondamentalement culturel, mais qui est assez proche de ce que nos partenaires italiens rencontrent. C'est-à-dire qu'on est dans un pays latin avec une culture de l'oral, et c'est quelque chose qui s'est perpétué dans le bâtiment, alors que dans le monde industriel, on est passé à une formalisation des processus beaucoup plus décrits et donc beaucoup plus de qualité. Donc voilà, partons avec de bonnes résolutions pour les années à venir. Merci de votre venue.